Donc l'ouvrage traite donc d'un séjour au Japon qui est d'une dizaine d'années environ. Ça fait 30 ans donc, que je pratique les arts martiaux. Et donc en 89, j'ai décidé d'aller vivre au Japon. J'ai passé un peu plus de 12 ans. Voilà. À l'origine, le projet, c'était des articles. Voilà, des articles que je faisais pour des revues d'arts martiaux. Et puis en fait, de fil en aiguille, on s'est aperçu que ces articles pouvaient très bien avoir un fil conducteur qui était de montrer qu'à travers des pratiques qui pouvaient être différentes, soit du karaté, de l'aïkido, du judo, du jiu-jitsu, ou du sabre ou du kendo, tous avaient le même, tendaient vers un même but, qui dépassait le cadre culturel même ou le cadre sportif, bien entendu. Donc j'ai voulu, moi, retranscrire ça et montrer le chemin de route que j'avais fait pour que d'autres personnes, après, puissent trouver leur chemin. L'ouvrage traite d'une vingtaine d'experts que j'ai rencontrés, avec qui je me suis entraîné ou que j'ai côtoyé de très près. Voilà. Et ces experts d'arts martiaux ont aussi la particularité d'avoir tous un aspect artistique, c'est-à-dire soit ce sont des calligraphes, des danseurs, de nos, ou alors donc des chanteurs. Ils ont tous un aspect artistique. Voilà, c'est important dans la pratique martiale de ne pas faire que du sport, mais de faire quelque chose qui sublime, qui transcende. Ils m'ont fait découvrir la sculpture, la calligraphie, la gravure aussi. Et par le biais de l'artistique, j'ai pu, moi, rentrer dans un domaine que je connaissais, qui était le domaine de la méditation. Et donc, j'ai trouvé que tous ces experts étaient aussi, en quelque sorte, des maîtres de sagesse. Bon, c'est vrai que l'ouvrage, un parti pris, c'est de ne pas faire la promotion d'un art martial en particulier. C'est-à-dire que j'ai aussi bien côtoyé des gens qui faisaient du judo, du jiu-jitsu, des arts anciens, du sabre. J'ai écrit cet ouvrage en tant que religieux bouddhiste. Alors l'éventail pour les moines, effectivement, c'est au Japon, on ne montre pas avec le doigt, on montre avec l'éventail. Quand on donne quelque chose, on détend l'éventail et on pose sur l'éventail. On ne donne pas, quand on montre quelque chose, on le fait avec l'éventail. L'éventail est un prolongement du doigt. C'est vraiment le prolongement donc, de la conscience. Mmh.